Monsieur Mario, j'en ai une tout souvent une explication à la police. Il explique tout le monde d'affaires qui est arrivé, tout le monde réunion qui finit de faire. Et il donne tout le monde de détails, comme on expliquait hier, très précis. Il continue aujourd'hui encore. Et que sa quantité de précision qu'il nous donnait là, mais vous pensez, l'enquête là, l'enquête très simple, Aster. Combien de rencontres finit là? Il a fini dans plusieurs rencontres. Il a fini dans plusieurs rencontres. Et il a une rencontre qui finit dans Côte-Li, il a une rencontre qui finit dans la MPA. Il y a une rencontre qui finit dans l'aile d'église, il y a une rencontre qui finit dans, dans l'écurie des IMTC. Et il donne tout ça en explication là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne tout en preuve pour démontrer que ce qu'il peut dire, c'est totalement la vérité. Et là, je pense que la police continue sur l'enquête. Et l'éclair, qui est basé sur la précision que M. Jean-Noël donne à la police, qui est non, ce qu'il nous appelle reasonable suspicion, pour qu'il y ait une arrestation maintenant. Et ben suspect dans sa caisse là peut être arrêté. Et causé casse, combien d'une causé? Bon, il donne toujours une explication, l'inexpliqué qui n'est arrivé. Je ne vais pas donner trop en détail aux affaires casse. Non, je ne vais pas expliquer aux chiffres, mais c'est moi l'inexplique la police tout, en termes de tout ce qui finit là, côté l'argent, côté pression, côté bande de détails. Dans ma réunion qui finit de passer. Parce qu'il y a une demande CD, une bande sonore, il finit de déposer à la police aujourd'hui. Je ne vais pas donner de détails sur cette affaire-là parce qu'il n'a pas envie d'entraver la bonne marche de l'enquête, mais pour moi, je dis, oui, il donne tout de preuve pour démontrer que tout ce qu'il dit, c'est la pure vérité. Et après, une autre affaire, M. Mario Jeannot, vous connaissez, tout ce qu'il fait, il explique ça très bien à la police, c'est en tant qu'un papa, qui ne trouve ce garçon dans l'état déplorable, qu'il n'est pas capable lui-même ce qu'il a dit, comme tout homme suivant. Et dans mon affaire, qui même mon journaliste pas connaît, mais non seulement ce garçon est un batté, mais psychologiquement, c'est que ce garçon est passé. Même ça, jour là dans la station de la police, que besoin il a acheté linge pour sans ce linge, pour une raison évidente, il besoin même faire les baigner dans la station de la police, ça jour là. La police se donne, c'est normal, une police très correct là-bas qui ne prend ni la médecine, fait les baigner là-haut avant de prendre à l'hôpital. Et aujourd'hui, M. Mario Jeannot, en tant que papa, vous pensez tout le monde peut être famille à Maurice pour comprendre qui veut dire à certains papas tous ces garçons dans cet état-là. L'inal, jusqu'à côté de l'inal, aujourd'hui, pour lui faire la vérité éclater lui-même. Et l'inal, s'y fait aller. Ben, vous connaissez, il explique tout ce qu'il n'a pas expliqué. Dans l'enquête, il m'a comme ça. Il explique tout ce qu'il n'a pas expliqué, tout détail, tout précision, preuve, tout ce qu'il a fini de donner. Maintenant, la police, bien sûr, il continue à faire l'enquête. Mais bien sûr, c'est dans n'importe qui détail, précision encore pour amener, pour collaborer avec l'enquête policière. Et bien sûr, M. Mario Jeannot, il fait ça. Il est toujours à la discussion de la police. Ben, comme n'importe quelle personne qui n'a envie qu'une enquête faire bien et qui tout le monde suspect dans ces affaires-là, je te faire face à la justice comme un bizarre. Et cette fois-là, moi, c'est qu'il est beaucoup moins bizarre. Okay. Merci. Merci.